Nous comptons avec vous. Jeudi à ce dimanche. Dimanche 25 septembre 2022. Nous saluons tout le monde qui est dans la capitale pays d'Haïti, Port-au-Prince. Port-au-Prince, la capitale de la tragédie. Capitale d'horreur, bien sûr. Port-au-Prince, c'est là tout film joué. Même si dans certaines zones au niveau de province, il y a quelques petits films qui jouent, mais on est capable de dire tout gros film d'horreur, c'est au niveau de Port-au-Prince. Alors, c'est parti pour une nouvelle émission si là. Donc, un petit cause nous allons parler dans l'émission ça là. Mais écoutez, juste avant de commencer, je vais aimé poser une question ça. Et moi-même, je répondre aussi rapide. Par contre, si quelqu'un dans nous qui a dit, écoutez, ça dit, c'est pas vrai. Si je dis peut-être moins, quelle est la force illégale la plus puissante sur le terrain en Haïti, qui ça nous a répondu? Force illégale qui est plus puissante. Moi, c'est G9. G9, tout simplement. Parce que, quand démonstration qui fait là, eh bien, même d'Arabab dit, son véritable démonstration de force. Et, bagala arrête. Tenez bien. Gagné yon, t'as capable de dire un mouvement qui commence. Mais mouvement ça, li fait dans perspective pour capable couper court à qui yon série de paroles, yon série de rumeurs comme quoi les hommes de la structure dénommé G9 en famille et alliés, yon ta gagné l'argent en main yon pour capable graser mouvement, mouvement peuple là. Glente ou barbecue, aller dans manifestation. Ben, le lendemain de ça, il y a qui dit, ben écoutez, barbecue, il y a l'argent pour capable de faire tout ça. Mais écoutez, moi, je suis un petit précaution parce que je mettais ça au conditionnel. Et je disais à barbecue pour le paraître tout visage. S'il prend cob, pigal fait gymnastique. Mais s'il pas prend cob, c'est pour rejoindre le peuple dans le mouvement. Bon rejoindre. Et nèg yo prend conscience, yo al rejoindre peuple là. Gaz là, nèg yo vle monter gaz là. Gaz là vini, al prend gaz là non. Ça fait deuxième bois calé G9. Alors excusez-moi l'expression parce que c'est comme ça, expression G9 là en bête et puis bois calé. Donc ça c'est deuxième bois calé G9 by Ariel. Est-ce que ça c'est stratégie? Moi je sais pas. Mais ça c'est deuxième bois calé. Côté que gaz là, yo pa ka vin pran. Quelle est la revendication de cette structure? Côté que nèg yo campé zam a la main nèg yo a bay la police balle, personne moun pa ka passer pour vin prendre gaz là nan varou. On ta capable dire c'est pas une revendication. Tant que j'en ai dit ça. Mais c'est de préférence, nèg yo fait écho à revendication population. Eux-mêmes, ils font partie de la population. Et comme ils sont structure armée, eh bien, ils pensent que véritablement, ni pour être capable de faire écho à revendication population. C'est prendre zam, dit en ken camion, pas pour rentrer dans la rue. Et c'est ça, nèg yo fait. Nous songez, et ça fait quelques mois de ça, depuis que nèg yo te bat en wash maman dans la rue, laisse moi quoi, leads qui tel. Ta propose ministre actionnelle, yo fait ministre ça a volé. Est-ce que nous comprenons? Donc, ça veut dire bagaille la miel. Mais, bon, me dis donc que bataille a commencé au niveau de bloc Varouyon, toute zone Douya là, parce que hier après-midi, bon bataille qui pétait dans le bloc Douya là. L'em dit nous, G9, c'est force illégale qui est puissante là. Donc, à comprendre, c'est menti. Est-ce que nous connaissons les gens qui font la police voler? Les gens qui font la police voler en bas coup de balle. Et si les policiers sont pas intelligents, les gens qui prennent un petit char. Les gens très intelligents, c'est ça que fait, les gens ne prennent pas un char. Et les stratégies, les gens utilisent Kounia, et bien mettre tout les gens qui prennent l'huile. Parce que les gens mettent l'huile à terre, ça veut dire que pour comprendre nous prenons le pot de bouée, dans l'huile là, on patine, et puis il y a sa patte à coup de balle. Et même tout bagay. Gon green bagay, peuple a gagné à battre bravo. Si revendication ça, yo fait écho à Clia, c'est pas une stratégie. Comprenez bien? Parce que si, depuis longtemps, yo te dit que y a bataille pour peuple, journée jodi a, Ariel Patapka dit la moute gaz là. Parce qu'il connaît que
peuple t'a prend la rue, bandit t'a prend la rue et là la police t'a bay moun gaz et bien la police t'a jeune kounya là monsieur. Gon grain bagay ki rete oui. Le peuple a prend la rue, tout moun prend la rue. Bois calé. On prend bois calé. Ça veut dire peuple a les même li pa optimis en gado. Sinon même nous gen zam. Et la police yo utilisé l pour capable bay peuple la gaz, pour bay peuple la balle. Même si un policier dat kon sa mete zam atè. Mete zam atè kite peuple a fait affaire parce que mes amis yo méchant non pays. Mais yo méchant pile dans pays ça. Bon, en tout cas, fon di non que bagay yo te miel, vraiment miel. Et s'il vous plaît, m'a dit non ça, G9 gen bagay nan mel. Entendez quelques chorales non? La couille, la couille. Chap couille, gade gade couille, gade couille, gade couille. Get pa manou. Ariel PR pour une gaza et bala la vin pour. Get maman nous. La Là où t'es dans zone vare ensemble avec Bloc Douya là. Et Bloc Douya là, de temps en temps, toujours gagné, laissé frapper parce que gagné un chat qui presque immobile dans zone ça. Mais par contre, ça qui passé hier, eh bien, les yonévé, sortant de là, l'obé est pété. Entre temps, gagné un pile nèg qui fait silence. Moi, je viens avec une émission parce que vous regardez là pour Iso fait silence, il a plus fait silence. Gabriel fait silence. On n'a pas entendu l'amour sans jour. Est-ce que... Oui, de même pour Kempes, parce que Kounia Lam, c'est Neg G9 qui fait actualité. Est-ce que Neg sa yo plus bon côté peuple là? Comprenez ça, oui? Ou bien est-ce que Neg sa yo plus fort dans stratégie? Ça, c'est un ensemble de questions pour nous poser tête, non? T-Junior La Saline a fait une déclaration de 6 minutes et 13 secondes. T-Junior... Palais, c'est rare fois. Nota des voix T Junior, Mam G9 en famille alliée, la salle.